Souïd El Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin M. Mohamed Talbi, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. M. Mohamed Talbi, bonjour. Bonjour. Alors la lutte contre le terrorisme et la sécurité de l'Algérie, des Algériens et des Algériennes, la priorité ou la priorité numéro une? Je pense que vous êtes inspiré par les attentats récents de Paris. Effectivement, la question de la sécurité nationale a toujours été une priorité. Donc de toutes les institutions de l'État, sans exclusive. Et la sécurité nationale passe bien entendu par celle des frontières avant tout, surtout pour la conjoncture actuelle, avec tout ce qui se passe dans certains pays voisins, et donc nos frontières sont menacées par l'infiltration de groupes terroristes et toutes sortes de menaces, y compris la contrebande pour laquelle l'Armée nationale populaire enregistre quotidiennement des résultats très satisfaisants. Alors le renforcement de la sécurité à nos frontières, particulièrement celles limitrophes aux pays qui connaissent une grande instabilité et des troubles sécuritaires, cette sécurité doit-elle s'adapter par la densification de la présence de l'État, M. Talbi? Justement, c'est ce qui a d'ailleurs mené à la création des wilayas délégués récemment, donc les 10. Ceci a été une instruction de M. le Président de la République, conscient donc d'abord des dangers qui guettent nos frontières, comme je disais tout à l'heure, mais surtout le rapprochement de l'administration de l'administré au niveau des vastes régions du Sud, et propulser le développement de ces régions en mettant en place une organisation administrative adaptée. Dans une première étape, donc, comme vous le savez, nous avons commencé par la mise en place de 10 wilayas délégués, et cela va être suivi en 2016 par donc, les wilayas des Hauts Plateaux, et en 2017, c'est les wilayas du Nord. Le souci majeur, d'abord, est celui de renforcer la présence de l'État, la présence souveraine de l'État, donc toutes les institutions de la République, représentés localement, seront présentes au niveau des zones frontalières, notamment donc des wilayas délégués qui vont être créés au niveau de ces zones-là, des wilayas délégués qui vont évoluer pour devenir à part entière des wilayas, au sens propre et plein du terme. Cette densification de l'État ne peut pas être une densification administrative pure, mais il s'agira surtout de densifier le développement dans ces zones-là. Donc, développement local, développement des zones frontalières, des communes frontalières, pour que ces zones puissent faire face à toutes les situations possibles et imaginables. Alors, quand on parle de densification de la présence de l'État, et je reprends vos termes, M. Talbi, la présence souveraine de l'État, ceci signifie-t-il qu'on comprend, qu'en sens aujourd'hui, qu'un territoire qui n'est pas occupé est un territoire perdu? N'est pas perdu, mais la nature a horreur du vide. Donc un territoire où il n'y a aucune présence est un territoire qui peut vous emmener des soucis, des dangers. Et c'est pour cela que l'État doit être présent partout. Aujourd'hui, les moyens technologiques permettent aussi de combler certains vides au niveau de la présence physique des personnes ou des personnels chargé de la sécurité des frontières. Donc, beaucoup de pays se sont dotés d'une technologie de surveillance des frontières, une option à laquelle l'Algérie est très attachée. Alors justement, vous parlez de présence souveraine de l'État, les wilayas délégués, doivent-elles jouer ce rôle-là, les 10 notamment, celles qui sont déjà créées au niveau du pays? Celles qui sont déjà créées au niveau du Sud, qui sont dirigées par des walis délégués qui ont maintenant les pleins pouvoirs. Vous savez que le texte ayant créé ces wilayas délégués avec leur organisation, leur fonctionnement, a donné toutes les prérogatives aux walis délégués pour pouvoir prendre les décisions, être ordonnateur. Donc il peut donc lui-même engager les opérations, les suivre sur le terrain et poursuivre le développement de ces régions. Donc une priorité est donnée à ces zones, à ces wilayas délégués. Et c'est le cas également pour la wilaya d'Alger. Vous savez qu'il y a des circonscriptions au niveau de la wilaya d'Alger. Avec la décentralisation donc des documents administratifs, des documents de voyage d'identité,
le Wali délégué d'Alger aura des prérogatives qui lui permettront de s'occuper exclusivement du développement et du cadre de vie du citoyen dans la capitale. Mais pour les wilayas délégués, il y a les wali délégués. Mais pour jouer leur rôle pleinement, il faut les pleins pouvoirs. Il faut les pleins pouvoirs. Ils ont justement... Pas les demi-pouvoirs. Oui, ils ont un conseil exécutif. Donc un conseil exécutif, ils sont le chef de ce conseil exécutif. Ils ont l'essentiel, c'est-à-dire les opérations de développement qu'ils peuvent mener parce qu'ils ont la possibilité d'engager les dépenses. Parce que l'essentiel, c'est de signer, d'être ordonnateur des dépenses. Et cette possibilité leur est donnée, donc c'est inscrit dans le décret, les ayant créés. Ces wilayas délégués vont évoluer à terme, avec un peu plus de maturation, vont évoluer pour devenir des wilayas à part entière, avec tous les attributs d'une wilaya, disons, classique. Hein, classique, mais avec la nouvelle orientation. À la suite de la réunion au gouvernement Wali, donc ils ont leur rôle de manager du développement. Donc ils vont s'occuper de l'investissement, exclusivement de l'investissement, et chaque région ayant ses potentialités propres, donc ils vont s'attacher à développer ces potentialités et attirer des investisseurs dans ces régions-là. Mais quand vous dites prochainement, est-ce que vous avez fixé l'échéance au niveau du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales? Ce sera en fonction de l'évaluation qui sera faite de chaque wilaya délégué et de la force de frappe qui aura été donc constatée après certaines périodes. Alors vous l'avez déclaré tout à l'heure, monsieur. Périodes probatoires. Alors, vous l'avez déclaré, M. Talbi, tout à l'heure, la prochaine étape, c'est les hauts plateaux et les régions nord. Comment sera le prochain découpage, ou comment est-il ou sera-t-il conçu? Il sera conçu, vous savez que M. le ministre de l'Intérieur vient de signer avec son homologue, M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, une convention pour impliquer le ministère de l'Enseignement supérieur, nos chercheurs nationaux, dans des solutions qui pourraient nous aider à mieux cerner la question du découpage. Un découpage n'est jamais simple, vous le savez très bien. Il nécessite donc une évaluation de tous les critères, d'abord les critères de base qui sont connus dans tous les pays, critères de la population, critères de l'espace, critères aussi des traditions, des échanges commerciaux, des rattachements, des habitudes, des traditions dans chaque région, et du prolongement de telle région par rapport à une autre. Pour composer un territoire, il va falloir prendre en compte toutes les potentialités de chaque territoire. Et c'est ce que nous nous attelons à faire avec le concours de l'enseignement supérieur, puisque qui sont tout à fait disposés à impliquer les chercheurs spécialistes dans les questions humaines, les questions sociales, les questions économiques, et y compris les questions donc de modernisation, à travailler avec nous dans le cadre de groupes mixtes de recherche pour bien asseoir ce découpage envisagé. Mais comment il sera conçu, puisque déjà vous avez fixé les grandes échéances 2016, c'est le haut plateau. Oui. Et on dit... Oui. Bah, il sera, notre rôle en tant que ministère de l'Intérieur, et les collectivités locales également, parce que les autorités locales, les élus locaux, seront mis à contribution pour avancer cette plateforme, pour préparer ce travail préparatoire, et donc le discuter avec donc les chercheurs qui vont nous aider à mieux appréhender les mécanismes qui devraient nous permettre de réussir un découpage. Mais est-ce que la volonté aujourd'hui d'assurer une équité et une égalité dans la répartition des richesses à travers tout le territoire national? Oui. Et de combler le déficit que connaissent aussi certaines localités en développement? Vous savez qu'au ministère de l'Intérieur, il y a une stratégie actuellement. Une stratégie, d'abord pour la répartition des enveloppes financières qui sont dégagées par l'État, pour soutenir ces collectivités, notamment celles, les collectivités dont on parlait tout à l'heure, éloignées du Sud, qui sont déshéritées ou qui connaissent un déficit en matière de développement, et également tous les fonds dont on dispose, avec des possibilités donc d'engager les agences foncières. Il y aura des textes qui vont préciser ces questions-là,
où l'agence foncière en tant qu'aménageur va pouvoir apporter une contribution avec toutes ces questions d'emprunt qui seront la possibilité pour la collectivité d'emprunter de l'argent au niveau de la caisse de solidarité qui pourrait impulser ce développement-là. Donc la stratégie, je disais, commence d'abord par rapprocher l'administration des administrés au niveau de ces régions-là. Donc éliminer, essayer de raccourcir, d'éliminer les distances, d'éliminer toutes les disparités et donc d'impulser une nouvelle dynamique à ces régions avec la création de nouvelles zones d'activité qui sont très importantes. C'est ces zones d'activité-là qui vont nous permettre à terme donc de rehausser le niveau donc de ressources de ces zones. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on a accusé beaucoup de retard avant de prendre conscience que ces régions accusent du retard dans le développement ? Elles accusent du retard parce que bon, il ne faut pas nier non plus qu'énormément d'énormes projets ont été réalisés, beaucoup de choses ont été réalisées dans ce pays, mais on ne peut pas, compte tenu donc de l'environnement, avoir un développement harmonieux, équilibré. On a un laps de temps très réduit. Mais est-ce donc, que il est question donc de corriger ces disparités, en fonction donc des possibilités que nous avons. Mais est-ce que ce retard est dû au fait qu'on a connu quand même pratiquement, hein, bon an mal an, 20 ans de terrorisme ? Oui, absolument. Vous avez, tout le monde le sait. Les années de terrorisme nous ont ramené. Plusieurs années, plusieurs dizaines d'années en arrière. Aujourd'hui, la question de sécurité nationale étant réglée, je veux dire que nous ne connaissons plus les mêmes situations que celles que nous avons vécues. Il est maintenant temps, grand temps, donc d'orienter tous nos efforts pour le développement donc de ces régions et essayer donc de gagner du temps, de faire un rattrapage, donc de redresser ce qui n'a pas marché. Donc on ne vit pas la même situation que celle qu'on a vécue. Pas à l'abri, nous avons vu ce qui s'est produit en France, oui, et dans d'autres localités, dans d'autres pays. La sécurité, c'est aussi le renseignement. Alors, M. Talbi, un nouveau dispositif a été adopté récemment à l'initiative du MDN pour lutter contre les candidats qui tentent de rejoindre les rangs des troupes ou des groupes terroristes à l'étranger. Qu'est-ce qu'il implique, ce nouveau dispositif, M. Talbi ? Notre armée nationale populaire, le MDN, ont toujours été à l'avant-garde donc, de la lutte antiterroriste. C'est grâce donc, à nos troupes armées que la sécurité a été retrouvée. Quelles sont les mesures prises justement maintenant, par rapport à ce nouveau dispositif ? Le ministère de la Défense a toujours pris ce genre d'initiative et celle-là, et qui est très louable, consiste donc à mettre en place un dispositif opérationnel d'échange d'informations entre les différents intervenants. Donc il s'agit donc de la mise en place d'une banque de données qui va servir à alimenter donc ceux qui s'occupent directement donc de prévenir le départ de jeunes, le recrutement de jeunes Algériens pour aller combattre aux côtés de groupes terroristes au Moyen-Orient. Les filières donc, de passage étant connues, cette opération, ce dispositif a eu des résultats, a connu maintenant des résultats qui sont très positifs, et la preuve en est que nous sommes le pays le moins touché par ce phénomène. Nous n'avons pas le même ordre de grandeur que les autres pays voisins, par exemple. Combien sont-ils, justement, puisque vous dites maintenant c'est le renseignement, est-ce qu'on les a identifiés, les connaît ? En tout cas, moins d'une centaine. Et le recrutement de ces jeunes, comme tout le monde le sait, se fait à la base par Internet, donc les réseaux sociaux. Et là-dessus, toute la société algérienne est interpellée pour éviter que nos jeunes ne soient embrigadés par ces groupes-là qui usent de... Si les armées classiques recrutent par voie de communiqué ou de spot publicitaire, c'est les recruteurs de ces jeunes
font pratiquement du corps à corps. Donc, ils contactent ces jeunes personnellement. Et c'est comme ça qu'ils, s'ils ne sont pas très bien pris en charge à la base, risquent de verser donc dans, ou tenter plutôt de rejoindre ces groupes pour aller combattre ailleurs. Mais justement, par rapport à l'Internet et le recrutement par Internet, l'Algérie vient d'acquérir dernièrement un système de contrôle Internet. Est-ce que cela va renforcer encore le dispositif de lutte contre le terrorisme ? Oui, c'est les résultats positifs enregistrés par nos services de sécurité ont été justement grâce à ce système-là, ont été grâce à donc, la surveillance donc, des communications de ces recruteurs qui n'hésitent, qui ne sont pas ici. Donc ils ne courent aucun risque sur leur territoire national. C'est plutôt nos jeunes qu'il s'agit de, aujourd'hui de protéger contre, contre ces, ces gens-là. Alors les filières de recrutement sont identifiées, c'est ce que vous avez déclaré à l'instant. Comment se fait justement, comment cela se fait? C'est par quelle filière exactement? Généralement on parle de la filière Syrie, est-ce qu'il y a que celle-là? Ou il y a d'autres également? Il y a d'autres filières, certainement. Mais les, la traçabilité donc des, du recrutement est identifiée. Et les jeunes qui étaient tentés, parfois innocemment, hein, il ne faut pas non plus accabler ces jeunes, parce que on, nous les considérons en tout cas comme des victimes qu'il faudra protéger contre ces gens qui veulent les embrigader, qui veulent les mener en dehors de l'Algérie pour se faire tuer. Donc, donc les résultats qui sont enregistrés grâce à ce dispositif sont très encourageants. Mais est-ce que par exemple, comme dans certains pays, les jeunes qui vont vers certaines destinations qui sont aujourd'hui cibles sont contrôlés? Vous savez, les législations étrangères, si vous prenez le cas de la France, la simple intention de rejoindre ces groupes-là est, est passible de, d'une peine d'emprisonnement. Vous êtes terroriste déjà? Oui, oui. À la simple idée que vous avez, donc on vous condamne sur, sur votre intention. En Angleterre, vous êtes déchu de votre nationalité. En Algérie, nous essayons d'adapter notre législation nationale, notamment le code de procédure pénale, pour permettre justement aux autorités concernées, notamment judiciaires, de s'impliquer directement et d'apporter leur contribution sur ce qu'ils font d'ailleurs contre ce phénomène, pour lutter contre ce phénomène. Justement, par rapport à ces questions liées au terrorisme, la collecte des fonds dans les mosquées est désormais régulée. On croit savoir, M. Talbi, que plus de 6 milliards de dinars ont été ramassés dans les mosquées seulement pour l'année, si je ne me trompe pas, et vous me corrigez, 2013. C'est le cas? C'est un chiffre très important. Effectivement, c'est un montant, c'est un montant, oui, c'est un montant qui a été enregistré à la fin 2013, début 2014. Et cela nous a posé un problème de connaître la traçabilité des fonds collectés. Éviter les erreurs qu'on a commises par le passé, où donc, ces fonds rejoignaient les maquis pratiquement. Donc aujourd'hui, cette question est, est maîtrisée sur le plan, je dis sur le plan donc, de l'organisation, puisque M. le ministre de l'Intérieur vient d'adresser une instruction très ferme, très stricte à mesdames et messieurs les Wali pour les responsabiliser quant à donc la collecte de ces fonds par des organisations au niveau des mosquées qui, dans certaines, profitent de la crédulité, profitent de la générosité, profitent de la bonne foi, profitent de la naïveté parfois des bienfaiteurs et des prieurs pour ramasser des sommes dont certains ou, ne connaissent même pas la destination. Donc pour mieux maîtriser cette question, pour la, par exemple la, les fonds qui sont collectés dans, pour une, la construction d'une mosquée ou l'extension d'une mosquée, il s'agira de présenter donc un permis de construire et un devis quantitatif et estimatif dûment visé par les services techniques, des plans, une, l'identification des demandeurs. Au besoin, s'il y a un doute, s'il y a doute sur une demande, ne pas hésiter à recourir aux commissions de sécurité pour avoir l'avis quant à la décision éventuelle à accorder.
C'est les nouvelles dispositions qui vont être adoptées prochainement. Oui, non, sans oublier, bien entendu, donc la mise à niveau de la législation qui concerne toutes les quêtes. Ces quêtes-là, cette question des quêtes qui est régie par une législation qui est aujourd'hui dépassée, donc il va falloir mettre à niveau, il va falloir corriger, mettre en place des mécanismes notamment de contrôle pour voir où va cet argent. Parce que maintenant, il s'agit d'impliquer le comptable, un comptable agréé, qu'il y ait un compte bancaire dûment identifié et qu'il y ait surtout le suivi. Parce qu'il y a certaines associations qui recourent à l'embellissement démesuré des mosquées ou à l'acquisition d'un matériel pour remplacer un matériel tout à fait neuf. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais justement, quand on parle de protection des jeunes aussi contre certains fléaux, on parle des salles de prière dans les universités qui échappent aujourd'hui à tout contrôle. Est-ce que le gouvernement algérien pense à cette question aujourd'hui, monsieur Talbi? Puisque le ministre des Affaires religieuses a souvent soulevé cette préoccupation aujourd'hui. Je pense qu'ils vont bien peut-être lui poser la question. Alors, autre question, certains considèrent que l'Algérie verrouille sa législation et interdit la pratique du culte hors musulman. Les associations à caractère religieux sont interdites d'activité ou de pratiquer leur religion. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, monsieur Talbi? En tout cas, moi je vais vous répondre très en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la loi sur les associations. Renvoie à un texte spécifique pour la prise en charge, l'encadrement des associations religieuses. Cela existe partout dans le monde, hein. Oui. Avec les attentats de Paris, on commence à stigmatiser déjà les musulmans. Il y a aujourd'hui, non, on ne peut pas faire le parallèle, il y a aujourd'hui un texte qui est préparé, un texte qui va être finalisé sous peu, qui va donc mettre de l'ordre dans toutes ces questions d'associations religieuses. Je savais qu'il y a 15 000 associations religieuses et cela concerne aussi les associations religieuses pour le culte non musulman. Donc c'est une question très sensible, très importante, qu'il va falloir donc encadrer et préciser avec des dispositions claires qui ne soulèveraient aucune interprétation ou aucune équivoque. Alors, la modernisation du fichier d'état civil rend-il effectif aujourd'hui la e-administration? Oui, c'est l'objectif numéro 1 du ministère de l'Intérieur. Donc après la mise en place du registre national automatisé d'état civil, on est passé à la deuxième phase, celle qui consiste à raccorder les ministères à ce registre-là pour éviter donc de demander inutilement donc aux citoyens de présenter des documents d'état civil. L'autre étape concerne la numérisation avec la délivrance de documents d'état civil par la voie électronique, donc signature électronique. Le décret a été adopté par le gouvernement, il va être publié ces jours-ci au journal officiel. Et surtout aussi, donc la décentralisation de la carte nationale d'identité, du passeport biométrique, de la carte grise, du permis. Vous savez que le permis va être un permis électronique, biométrique électronique, et la carte grise également qui sera électronique. Donc avec la modernisation de ces documents-là et l'exploitation de tous les moyens informatiques qui ont été mobilisés par l'État. Et la connexion, parce que le problème à la base, si on n'est pas arrivé à la e-administration plus tôt, c'est parce qu'il n'existait pas de données qui sont partagées, interconnectées à tous les services. Alors aujourd'hui, nous avons le passeport qui est délivré au niveau des APC, des communes, des collectivités locales. 48 000 ont été déjà délivrés. Voilà, et vous avez aussi la carte grise qui est délivrée au niveau aussi des APC. Est-ce qu'on est en train de donner les pleins pouvoirs aujourd'hui aux collectivités locales pour jouer leur rôle pleinement, monsieur Talbi? D'abord, le souci majeur est celui de rapprocher le plus l'administration de l'administré. Ensuite, responsabiliser les collectivités locales à délivrer des documents qui sont en principe du ressort de l'État. Mais si l'on considère que le président de l'Assemblée populaire communale a une double casquette, donc il agit en tant qu'élu et en tant que représentant de l'État, il est tout à fait normal que ces collectivités soient impliquées. Ceci dit, les walis délégués, les chefs de daïra, les walis seront totalement orientés vers le développement et l'investissement.
Donc le credo et l'enjeu, le défi majeur, c'est l'investissement. Alors la carte d'identité biométrique, c'est à partir de janvier 2016. Oui. C'est affirmatif. Bien sûr. Nous, les équipes du ministère de l'Intérieur sont en train de travailler de jour comme de nuit pour réussir ce très grand projet qui va à terme donc mettre fin à tout type de calvaire, à tous les calvaires que nos concitoyens subissent aujourd'hui dans la délivrance de leurs documents. Alors, une auditrice qui nous appelle sur notre page Facebook, je remercie ce matin, qui est régulière et qui est fidèle à l'émission, qui dit « Est-ce que ça va mettre un terme à certaines pratiques bureaucratiques qui n'en finissent plus ?» Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites. La dernière mesure, par exemple, c'est celle de supprimer le certificat de résidence des dossiers des enfants mineurs. Pour les gens qui veulent renouveler le permis de conduire, cela va se faire à partir de 65 ans. Tous les 5 ans, à partir de 65 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Le numéro, je disais, répondre à cette fidèle auditrice, le numéro d'identification nationale affecté à chaque citoyen et la possibilité qu'offre la nouvelle carte d'identité avec deux puces, l'une pour l'identification, l'autre pour les e-services, va permettre justement d'arriver à zéro papier, et c'est celui-là l'objectif. Est-ce que demain, on pourra commander facilement, à partir de chez soi, avec un clic, ces documents administratifs par Internet, Monsieur Talbi? Oui. On s'achemine vers ça? On s'achemine vers ça, sans se déplacer. Alors, alhamdoulilah, hein, on pourrait dire que de grands pas ont été franchis. Nous-mêmes, nous sommes très surpris et très ravis parce que nous enregistrons des résultats très probants. Les communes aujourd'hui, qui penserait un jour qu'un passeport biométrique puisse être délivré au niveau d'une commune? C'est le cas. Mais on a accusé beaucoup de retard pour le mettre en œuvre aussi. Oui, mais grâce à ces jeunes, il faut le rendre tous les jours. Alors, autre question d'une auditrice qui nous appelle ce matin. Elle dit, nous luttons contre la bureaucratie, mais nous continuons à être victimes de la bureaucratie. Par exemple, aujourd'hui, l'autorisation paternelle qui est exigée au niveau de frontières quand une maman sort avec son enfant. Est-ce que c'est normal, Monsieur Talbi? Non, oui, je ne pense pas que ce soit le cas. Elle a été victime de cette pratique? Eh bien, il faudrait identifier la personne qui a été à l'origine de cette... C'est-à-dire sur place, au niveau de l'aéroport, on peut aller se plaindre? Oui, pourquoi pas, il y a un chef de la police des frontières sur place qui se fera, dont il est, qui a le devoir de recevoir la plainte. Alors, dernière question, M. Talbi, je ne peux pas vous recevoir sans vous la poser. Les questions des sénatoriales, c'est pour bientôt? C'est pour la fin du mois. Donc ça nous se avons, activement. Nous avons proposé la date du mardi 29 décembre. Ah, ça a été retenu. Oui, donc il y aura 48 membres élus du Conseil de la Nation sortant. Je peux vous les donner si vous voulez, par parti politique. Le FLN en a 23, le RND 19, il y a un indépendant, deux de Harakat Moujtama Assil, et du FNA 2, RCD 1. Donc c'est au total 48 qui sont concernés par cette élection donc, qui aura lieu à la fin du mois. Le 29 décembre. On a proposé la date du 29, j'espère que ça sera retenu. Monsieur Mohamed Talbi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.